Voilà notre troisième cours sur l'histoire de la messe interdite. Nous avons parcouru dans le premier cours l'année 1969, voyant d'une façon un peu extraordinaire la publication d'un nouvel Ordo Missae, niant ou interdisant en quelque sorte la tradition liturgique ancestrale dominée par la messe de Saint-Pie-V. Et cette messe nouvellement publiée dans cette lettre apostolique Missale Romanum, très vite contestée par les théologiens de renom, et toute par tout un courant de la tradition, en France particulièrement, mais aussi au Brésil, autour de la personnalité extraordinaire de Monseigneur l'évêque Castromeyer de Campos. Et cette opposition donc a été assez forte. Malheureusement, étonnamment, Jean Housset, responsable de la grande famille de la contre-révolution en France, n'a pas voulu prendre parti dans ce conflit qu'il considérait comme une affaire strictement ecclésiastique. Et donc, cette prise de position a divisé profondément le courant de la tradition, le courant de contre-révolutionnaire s'opposant à la révolution, à la réforme liturgique. Et cette division eut des conséquences très très grandes et elle fut profonde et durable. Mais comme cela se comprend très bien, la quasi-totalité des paroisses et la plupart des fidèles ont, comme il est normal, un régime général, accueilli ou subi sans grande protestation la nouvelle liturgie. Elle fut tolérée, elle fut imposée par les évêques diocésains. À cela, on reconnaît évidemment les catholiques, sauf exception. Ils acceptent sans chercher midi à 14 h la doctrine de leur curé, qui sont en union avec leur évêque, lesquels sont en communion avec le pape. La grande majorité donc des fidèles ne voit aucun problème dans les innovations liturgiques. Ils ne voient pas de problème théologique. Ils constatent que la messe est maintenant en français, que le célébrant n'est plus tourné vers Dieu, pour éviter de tourner le dos au peuple, et cela est bien visible, et cela est plus démocratique. L'opinion dominante, entretenue avec ou suscitée par la hiérarchie et les médias, et qu'il s'agit là d'une amélioration émanant d'un irrésistible mouvement vers le progrès et la modernité. Voilà ce que nous entendions sans cesse pendant ces années 69, 70, 71, 72. La hiérarchie ecclésiastique ne s'inquiète guère, du reste, des contestations des traditionalistes et de leur indiscipline. Il en est à coup sûr agacé, elle en est à coup sûr agacée, mais elle est tranquillisée par le fait que les croyants et la jeunesse acceptera ce mouvement nouveau conciliaire. En réalité, deux camps se sont formés. Malgré l'énorme disproportion numérique, il est vrai, tous les facteurs d'une confrontation frontale sont désormais en place. La réclamation, la contestation des réfractaires, loin de s'amenuiser, va grandir, tandis que l'élan conciliaire va peu à peu s'essouffler. Les églises, en effet, se vident, ainsi que les séminaires. Et la tradition et ses différentes fractions, elles, progressent. Et c'est là l'époque que nous voyons la fondation de différentes communautés religieuses, dominicaines, la fondation d'écoles, la fondation d'églises, que l'on pourrait dire parallèles. Et durant les années 71-75 jusqu'au 24 mai 76, on ne rencontre aucune mention explicite, précise et datée d'un acte du pape promulguant
une interdiction de la messe traditionnelle. L'interdiction est d'abord implicite, comme une conséquence silencieuse, mais impérative, du caractère obligatoire dont se trouve revêtue la nouvelle messe. Mais une telle obligation a-t-elle été véritablement décrétée par la Constitution apostolique Missale Romanum de 69? C'est une question, c'est un point contesté qui a été débattu par l'abbé du Lac principalement, nous l'avons dit plus haut. Certes, la messe de Paul VI, quels que soient ses équivoques et ses omissions, expliqué dans le bref examen critique, a eu une indiscutable existence juridique. On ne peut pas lui reprocher d'être illicite. D'autre part, elle a été adoptée d'emblée par la quasi-totalité des diocèses et des paroisses. Plusieurs décrets, notifications ou communiqués des congrégations romaines déclarent ou présupposent l'obligation par référence explicite ou implicite à Missale Romanum. Toutefois, l'interprétation de Missale Romanum demeure incertaine. C'est, comme je vous l'ai dit déjà, la thèse de l'abbé du Lac. Il arrivera plus tard que l'on considère le débat tranché par l'autorité de la notification dite du 14 juin 1971. C'est une notification de la Congrégation pour le culte divin. Mais elle n'est ni datée ni signée. C'est seulement plusieurs semaines après coup qu'elle recevra une signature et une date. Une telle anomalie, reconnaissez-le, la rend suspecte et elle diminue ou annule l'autorité des normes sévères qu'elle prétend énumérer. Parue sans signature ni date dans l'Observatore Romano du 16 juin, elle demeure sans date ni signature dans la documentation catholique, la revue qui publie les documents officiels en France du 4 juillet. Certes, cette notification romaine déclare le nouveau rite obligatoire, mais presque aussitôt, elle apparaît contredite par un acte du pape. Au mois de novembre, en effet, 1971, est officiellement annoncée l'autorisation donnée par Paul VI lui-même aux Anglais de célébrer occasionnellement le rite traditionnel. Cette autorisation est une réponse aux insistantes demandes de la société Latin Mass Society, association pour le rite tridentin adhérente à la Fédération internationale d'Una Voce que préside Éric de Saventem. Un tel privilège prouve manifestement que la messe traditionnelle n'est pas aboli et suggère même que l'interdiction n'est pas absolue. L'espérance d'une extension ultérieure de l'autorisation apparaît donc possible, permise. Les argumentations en faveur de la messe tridentine y trouvent une note supplémentaire de vraisemblance et une troublante incertitude grandit sur les sentiments réels du pape Paul VI quant à sa réforme liturgique. En 62, pour le 9e anniversaire de son couronnement, en plus, Paul VI exprime une profonde déception devant l'évolution de l'Église. Au lieu d'un renouveau conciliaire, on a les nuages, les tempêtes, les ténèbres, et même, par quelques fissures, la fumée de Satan, dit-il, est entrée dans le peuple de Dieu. Ce n'est pas une image rhétorique. Le pape précise une puissance perverse est intervenue dans le nom et le diable. Intervenue où et en quoi? Entre autres, dans le cours désastreux de la révolution liturgique. Pourquoi pas? Contre une telle incertitude, les choses sont complexes. On voit apparaître pour la première fois en 73, venant de Suisse, un vocabulaire officiel parlant explicitement d'interdiction et même d'abrogation de la bulle Coprimum Tempore de Saint Pie V. Au mois d'avril, Mgr Adam, en effet évêque de Sion, proclame qu'il est interdit de célébrer selon le rite de Saint Pie V qui a été aboli par la Constitution Missale Romanum du 3 avril 69.
Mais alors pourquoi Paul VI aurait-il donné aux Anglais la possibilité de célébrer la nouvelle, l'ancienne messe? Il précise même, Monseigneur Adam, la présente déclaration est faite sur renseignements authentiques et indications formelles de l'autorité. Et en juillet, c'est un communiqué de l'Assemblée plénière des évêques de Suisse disant « En vertu des décisions de Rome, il n'est plus permis de célébrer la messe selon le rite de Saint Pie V. » C'est la cacophonie. L'épiscopat suisse aurait donc mis 4 années pour obtenir de l'autorité anonyme romaine un enseignement authentique et une indication formelle concernant la réalité radicale de l'abrogation résultant de Missale Romanum. Au mois d'octobre 1975, la France va suivre l'exemple suisse d'une manière d'abord plus indirecte et encore impersonnelle. Au nom de Mgr Badré, évêque de Bayeux et Lisieux, le doyen d'Orbeck publie un communiqué affirmant que le souci d'obéissance à l'Église interdit de célébrer la messe selon le rite de Saint Pie V, dans quelque circonstance que ce soit, je cite. Et cet énoncé est reproduit dans la plupart des diocèses de France. Puis l'année suivante, l'épiscopat français, pour la première fois depuis 1969, publie une nouvelle ordonnance sur la messe et un communiqué expliquant son ordonnance. Pour écarter la messe traditionnelle, le communiqué invoque cette fois les règles édictées par l'autorité romaine, en y ajoutant la volonté des évêques de France. Comme l'épiscopat suisse, la version française parle donc d'une autorité anonyme de décision romaine du souci d'obéissance à l'Église sans aucune explication et référence précise qui serait pourtant en cette matière nécessaire. Ainsi transparaît chez les uns et chez les autres une incertitude sur la possibilité d'invoquer l'autorité personnelle du pape. On voit aussi que demeure en général une certaine réticence à parler ouvertement d'interdiction. On recule devant le mot, on fait une périphrase. La formule qui s'installe peu à peu consiste à énoncer, comme une simple constatation administrative, que le missel de Paul VI est pour remplacer le missel de Saint Pie V. Mais, contrairement à cela, les réfractaires les plus résolus, prêtres et laïcs, continuent à opposer avec insistance à la révolution liturgique leur conviction raisonnée que la messe traditionnelle n'a besoin d'aucune autorisation suite à la bulle Coprimum tempore de Saint Pie V. Ainsi s'exprime Mgr Lefebvre le 2 juin 1971. Il écrit « La conception de cette réforme, il nous en est donné les preuves, la manière dont elle a été publiée, avec des édictions successives indûment modifiées, la façon dont elle a été rendue obligatoire, parfois tyranniquement, la modification de la définition de la messe de l'article 7 de l'institution généralis, sans aucune conséquence pour le rite lui-même, sont autant de faits sans précédent dans la tradition de l'Église romaine. Tous ces faits nous permettent de mettre en doute la validité de cette législation. Pour juger de la valeur dogmatique, morale, spirituelle de cette réforme liturgique, il faut se rappeler les principes de la foi catholique, dit-il, sur ce qui constitue essentiellement notre Sainte Messe. Et c'est ce qu'il fit auprès des séminaristes à Icon et à Fribourg. Cette opposition de Mgr Lefebvre inquiète Rome. Le séminaire d'Icon fait partie des réfractaires, bien sûr. Aussi, à la demande de l'épiscopat français, Rome décida alors une visite canonique au séminaire et dans les œuvres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pilice en France et Société Amie. Nous sommes en novembre 1974. Elle eut lieu en effet en novembre 1974, la deuxième semaine de novembre. Mgr Anclin, Mgr Deschamps, légats pontificaux d'origine belge,
réalise cette visite. En quelques jours, il questionne le corps professoral, converse avec quelques séminaristes, n'assiste même pas à la messe de communauté, enfin s'entretient avec Mgr Lefebvre. Avec lui, ils expriment des propos théologiques qui surprennent notre prélat. Ils expriment des idées hétérodoxes sur le sacerdoce, le célibat ecclésiastique, sur le mystère de la résurrection, sur la virginité perpétuelle de Notre-Dame. Eux, légats du pape, et cette visite canonique entraîna Mgr Lefebvre à faire cette fameuse déclaration du 21 novembre 1974 qui fut sa charte pendant toute sa vie jusqu'à sa mort en 91. Mgr Lefebvre, de cette visite apostolique, n'en revient pas. Il est comme tout ému. C'est dans ses sentiments et cette disposition d'âme qu'il écrit sa fameuse déclaration du 21 novembre 1974 que je veux vous lire, tellement elle est importante. « Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes ses réformes qui en sont issues. » On ne lui pardonnera jamais cette phrase. « Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théilliardien dans les universités, les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. Si l'arrivée, dit saint Paul, que nous-mêmes ou un ange venu du ciel vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. N'est-ce pas là ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui? Et si une certaine contradiction se manifestait dans ses paroles et ses actes, ainsi que dans les actes du dicastère, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église. On ne peut pas modifier profondément la lex orandi sans modifier la lex credendi, la loi de la prière, et sans modifier la loi de la foi. À messe nouvelle correspond catéchisme nouveau, sacerdoce nouveau, séminaire nouveau, université nouvelle, église charismatique, pentecôtiste, toutes choses opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, est tout entière empoisonnée, elle sort de l'hérésie, elle aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale dans l'étoile, sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église par l'Église est de toujours et codifiée dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres
qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le recours de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de Saint Pilice, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensatores mysteriorum Domini Nostri Jesu Christi in Spiritu Sancto. Amen. Signé Monseigneur Marcel Lefebvre. Cette déclaration, vous imaginez, fait sensation. Dès lors, il fallait vraiment la disparition de son œuvre, et de lui peut-être, et de son œuvre, certainement sacerdotale. Quelques prélats mènent l'affaire rondement, je vous expliquerai cela dans les prochains cours. À bientôt, bon courage et méditez cette fameuse déclaration de Mgr Lefebvre du 21 novembre 1974 qui est capitale si l'on veut comprendre l'œuvre et l'action de Mgr Lefebvre.